Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et du coup dans cette vidéo je vais vous faire un haul. Donc c'est un haul Shein, les vêtements m'ont été envoyés comme d'habitude. En ce moment les filles c'est les soldes, je vais faire en sorte que la vidéo soit postée quand même au bon moment, comme ça vous profitez des offres etc. En plus de ça j'ai un code promo, donc mon code promo sera dans la barre d'infos et les liens de tous les vêtements seront également dans la barre d'infos, donc je vous laisse checker tout ça. Les filles, aujourd'hui on se retrouve pour un haul, mais c'est un haul un peu spécial, c'est à dire que j'ai choisi deux thèmes. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne et dites moi si vous aimez bien ce concept là et je le referai un peu plus souvent. Mais j'ai choisi comme thème vêtements big, donc grip, bref my type pour les personnes qui me connaissent. Et vêtements, c'est à dire un peu classe, vous pouvez mettre ça pour aller au travail. Après j'ai voulu quand même rester soft. En tout cas j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à dire vous êtes dans quel camp. Si vous êtes dans le camp big ou si vous êtes dans le camp classique. Donc on va commencer sans plus tarder. Ah oui, et aussi petite précision les filles, je vais rester comme ça, donc vous allez me voir au max comme ça avec cet angle là. Et je vous mettrai une vidéo en entière de ma tenue ici. Dites-moi si vous préférez ce procédé-là ou sinon le procédé de d'habitude. Donc il faut que je recule ma caméra, etc. Mais vu que c'est plus compliqué lorsque je filme avec ma caméra de trouver un bon angle. Voilà, c'est plus compliqué, mais dites-moi ce que vous pensez. Ou sinon, bah, je filmerai avec mon téléphone. Je laisserai mon téléphone à chaque fois. Bref, dites-moi votre préférence pour que je puisse m'adapter. On va commencer le haul. Les filles, j'ai pris ce petit top. On va dire c'est un gilet... un top en même temps, super beau, super classe, très femme. J'ai pris une taille S, il est côtelé les filles, il est super agréable, c'est incroyable comment il est agréable. Il vient de la gamme MOTF de chez Shein, vous avez que des vêtements classe dans cette gamme là, j'aime beaucoup et c'est de la qualité, c'est vraiment de la qualité. De toute façon dans mon haul précédent je crois que je vous avais un peu expliqué, j'avais pris un trench, il était très quali et c'est de la même gamme. Là j'ai pris ce haut avec ce pantalon là, pantalon chino façon, un petit pantalon droit hyper classe. Je vous conseille fortement ce pantalon là, il est trop agréable. J'ai pris une taille L, il me va parfaitement et la matière elle est bien épaisse et la matière je suis choquée, c'est trop agréable cette tenue, j'aime beaucoup. Personnellement moi là je mets la note de 9 parce que c'est une tenue basique, soft et tout, c'est validé. Alors ensuite les filles j'ai pris un petit ensemble comme ça. Il est super beau, il est côtelé et il est quand même assez épais, donc c'est parfait pour la saison. Je le trouve très 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 beau, j'aurais mis la note de 10, mais un petit truc que je trouve chiant, c'est l'ouverture au niveau d'ici. Pour les personnes qui ne savent pas, je porte une gaine ouverte au niveau d'ici et je trouve que ça monte trop haut. J'aurais préféré que ça monte peut-être là, vous voyez, sachant que c'est un pantalon taille haute. Donc je trouve ça dommage, mais sinon je trouve très 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 joli. J'ai pris une taille M, j'aurais pu prendre du L du coup pour que le pantalon monte plus haut. Sinon la longueur les filles elle est parfaite, je fais 1m67 et la taille en soi elle est parfaite. Genre je baille pas dans le haut ni dans le bas et c'est pas trop petit non plus, donc ça va. Je mets la note de 9 à cause du coup de l'ouverture qui est ici qui monte un peu trop haut. Ensuite j'ai pris une combinaison, c'est la même matière voire un peu plus épais que l'ensemble que j'ai pris juste avant. Les filles vous savez que j'aime beaucoup les combis depuis un certain temps. Et là elle est hyper épaisse, genre je suis choquée de la matière. Elle est vraiment très très épaisse, on dirait qu'elle est limite rigide. Je trouve hyper jolie, vraiment 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 très très jolie. Mais prenez une taille au dessus. D'habitude toutes mes combis, je dis bien toutes mes combis, je les prends en taille S. Les filles là j'ai pris une taille S, je suis serrée. Les manches elles sont sautées. Au niveau des jambes aussi, vous allez le voir dans le close-up, c'est pas sauté mais c'est limite. Donc faites attention quand vous la prenez, faites attention vraiment au niveau de la taille. Au-delà de ça elle est hyper belle. Et le truc aussi qui me dérange c'est qu'elle est trop ouverte au niveau du dos. Regardez au niveau du dos, genre elle va en dessous de mon soutien. Mais bon cette tenue j'ai décidé de l'accessoiriser, donc je vais vous montrer avec quoi je l'aurais portée. J'aurais mis un petit blazer comme ça. Le blazer c'est la gamme aussi MOTF. La qualité, les filles je sais pas comment vous dire, dommage vous pouvez pas toucher mais c'est incroyable. Il est vraiment épais. J'ai fait exprès de prendre à peu près la même couleur. Et regardez la matière, vous verrez c'est un peu comme de la laine. J'ai pris une taille L, le blazer il est comme ça. Les filles hyper jolies. Avec la tenue je trouve ça magnifique. Mais vraiment vraiment magnifique. Du ton sur ton, les tons beige et tout, je trouve ça trop classe. Je vous cache pas, là, avec la température à Paris, genre, il y a un peu de soleil, vous pouvez sortir comme ça.
c'est tellement épais, la combi et le blazer, vous allez être bien. Je vais pas abuser, je vais pas faire mon côté drama en mode vous allez avoir chaud, mais vous êtes bien. Le blazer il tombe parfaitement, heureusement j'ai pris une taille L. J'ai décidé aussi d'accessoiriser ça avec un petit sac comme ça, il est trop beau. Beige, c'est pas un beige beige mais c'est un beige, on dirait il est froissé, je sais pas comment vous dire. Petite tenue comme ça, c'est léger, period en fait, period avec une petite paire de bottines. Ça passe crème, paire de talons, ça passe de ouf. Paire de baskets, ça casse le truc, mais ça reste beau, c'est un 10. La tenue, c'est un 10. Dommage pour la combi, je pense que je la reprendrai et je prendrai une taille M. C'est pas grave. Les filles, la tenue, faites-la. Elle est déclassée, franchement déclassée. 10 sur 10, ça me régale. Ensuite, j'ai pris une combinaison bleu marine. C'est trop joli. Franchement, la combi, je mets un 9,5 sur 10 parce qu'elle m'a l'air transparente, mais elle est hyper confortable. C'est comme les matières maillot de bain, mais c'est pas trop maillot de bain. Je suis trop contente d'être passée de l'autre combi serrée bien épaisse à celle-ci. Hyper confortable, très classe, col roulé, mais elle est incroyablement belle. J'ai décidé de porter ça avec un blazer en tweed bleu. Voilà les filles ce que ça fait avec le blazer, j'aime trop. J'aime trop, je trouve ça vraiment très très joli, très classe. Oh, vous avez des petites poches. Non, il est magnifique. Nul là, c'est un 10. Et j'ai rajouté un petit accessoire, un petit sac comme ça, bleu marine pour appeler la combi. Très écolière, très classique. On est encore dans le thème en fait. Vraiment un style qui change par rapport à ce que je vous propose d'habitude, mais moi j'aime bien. Vous mettez ça avec des petits talons, mais vous allez dead, c'est un 10. Ensuite les filles, tenue assez spéciale, je mets la note de 7, je vous le dis direct. Pourquoi ? Parce que le haut je l'imaginais pas comme ça, enfin il y a un truc qui me chagrine dans le haut, peut-être parce que c'est un manche court, je sais pas, mais j'ai l'impression que je vais au golf et je sais pas, je vais dans un endroit, je vais faire du polo. Là j'ai pas pris de t-shirt basique donc c'est pour ça que je vous le présente comme ça, et comme ça j'ai l'impression que je suis Pablo Escobar, la vérité. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange là dedans. J'ai mis ça avec un pantalon, le pantalon les filles il est incroyable, la taille elle est parfaite. J'ai pris une taille M pour le haut et j'ai pris une taille L pour le bas. Au niveau du bas, vous avez des petites déchirures, vraiment très légères. On dirait même pas qu'il y a des déchirures. C'est un pantalon pas Delph, il taille parfaitement bien. Que ça soit au niveau de la taille, au niveau de la longueur. Vu qu'on est des filles chic classe, vous pouvez mettre ça aussi pareil avec des talons. De toute façon, presque toutes mes tenues classe, vous pouvez mettre ça avec des talons. J'ai choisi d'accessoiriser ça avec un petit sac comme ça, rigide. Très très classe, très... très madame en fait, très oui bonjour, donc je suis la maman de Clotilde, donc voilà je viens la chercher, on a la réunion parents d'élèves c'est ça, d'accord, ok, prendre un petit thé et on se retrouve après, je ramène des cookies, allez ciao. J'ai un peu un pet au casque, la tenue fait très classe, mais vraiment très classe, ça soit toute la tenue en entière, je mets une note de 8, 8,5 sur 10. Franchement, la tenue, je trouve qu'elle passe crème. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. J'ai pris une combi en jean. Franchement, les filles, pépite. Pépite de ouf. J'ai pris une taille L. Elle me va parfaitement. Les oversize, taille haute. Vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très jolie. C'est un 10. Vraiment un 10, 10, 10, 10, 10. J'ai décidé de l'accessoiriser avec deux trucs. Une paire de bottes et un sac. Pour la paire de bottes, j'ai décidé de prendre celle-ci. Donc on est dans le soft. Si je me vois trop porter ça avec cette tenue et un petit sac que j'ai pris, magnifique. Voici le petit sac, il est trop beau les filles. Un petit sac matelassé comme ça. Et je me vois trop au printemps. Les filles, la combi, je vais la caler avec une petite paire de sandales. Sandales, basket, talons, bottes, il y a tout qui passe. Il y a tout qui passe. Franchement la combi, les filles, c'est un 10. Le sac c'est aussi un 10, les chaussures c'est un 10. J'ai fait exprès de prendre un sac où il y a une bandoulière parce que les sacs comme ça vous savez c'est beau mais c'est chiant des fois à porter. Ce que ça donne avec la bandoulière c'est parfait parce que la bandoulière elle est pas trop longue. J'aime trop. J'ai pris une robe moulante grise, comme j'aime, je les trouve magnifiques. Pour moi vous pouvez les caler avec tout mais je mets la note de 9 parce que c'est légèrement transparent. Mais sinon les filles c'est un 10. Si vous recherchez des robes basiques, Prenez. J'ai pris une taille S. J'ai décidé d'accessoiriser ça avec un manteau et un chapeau. Pour ce manteau là j'ai pris une taille XL. Je ne porterai pas avec cette robe. Après moi j'avais pas décidé de le porter genre
en mode comme ça là où j'ai mes bras dedans, je veux le mettre sur mes épaules si je porte avec cette robe là. Mais il est très oversize. C'est limite, il est trop grand pour moi. Regardez au niveau des manches. Après moi je préfère les manteaux oversize que les manteaux serrés. Donc ça dépend aussi ce que vous recherchez. Quand on le porte sur les épaules, c'est beaucoup plus joli. Et moi c'est ce que je ferais personnellement. Au niveau de la qualité, les filles, il est très quali. Il est pas fin. Je suis choquée, il est pas fin. Il est bien épais. Mais moi j'aime beaucoup les manteaux qui m'arrivent à la cheville. Donc là il m'arrive en dessous du genou. Mais bon, ça passe quand même. Et les filles, du coup, pour le chapeau, j'ai pris celui-ci dans mon haul précédent. Je crois, oui, c'était mon dernier haul. J'avais pris un chapeau comme ça en beige. Et franchement, ils sont trop beaux. Vous avez plein de couleurs. Je vous conseille de les prendre. Ils sont vraiment, vraiment magnifiques. Je vous montre de près. Le chapeau, il est comme ça. Je le trouve vraiment trop joli. Après, c'est pas au goût de tous. Je trouve ça vraiment très joli. Et très classe, d'une part. Voilà. Alors là, les filles, on passe au côté drip. Le côté classique est terminé. Terminado. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Maintenant, on passe à la vraie canélestée en fait. Les filles, cette robe-là, trop efficace. Elle rentre dans les deux thèmes, dans le big comme dans le classe. Donc là, je vous la montre comment je la porte en mode big. C'est-à-dire que j'ai rajouté un petit pull déchiré. Un pull à ne pas mettre comme ça, les filles, bien évidemment. Vous mettez quelque chose en dessous. Et moi, j'ai décidé de l'accorder avec... du coup, cette petite robe, j'aime trop. C'est un 10, mais vraiment, vraiment, vraiment un 10. Jusqu'à maintenant, là, c'est ma tenue préférée. Je suis désolée. Alors là, les filles, vous pouvez voir qu'on est vraiment dans le canélestée. C'est vous qui déciderez ce qui me va le mieux. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ce qui me convient parfaitement. J'ai pris un haut façon corset bustier qui n'est pas du tout serré, qui ne fait pas du tout corset. Il est super joli. Le truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'est pas assez long. Donc je suis obligée de mettre le pantalon en taille haute. Et le problème, c'est que le pantalon, si je le mets en taille haute, il est sauté au niveau du bas. Enfin, il m'arrive pas parfaitement au talon. Donc ça, c'est un peu chiant. Si je mets des talons, ça passe. Ça fait pas pantalon sauté. Mais si je mets des baskets, ça passe pas. Pantalon, c'est un pantalon à porter en taille basse quand vous faites ma taille. Donc quand vous faites 1m67. Ou plus. Les filles qui font plus d'1m67, je vous recommande pas de prendre le pantalon parce qu'il va être sauté, ça va pas être joli. Au niveau du pantalon, j'ai pris une taille L et au niveau du haut, j'ai pris du M ou du S, je crois. Ensemble, les filles, vous doutez bien que je mets un 10, mais vraiment un 10 sur 10. C'est vraiment mon style de ouf. J'aime trop. Je valide à 100%. Ensuite, les filles, j'ai pris une combinaison. Je mets la note de 10. Je suis très à l'aise. C'est une combinaison qui est très atypique entre guillemets puisque vous avez des coutures à l'extérieur et ça fait très big en fait, tout simplement. Après, le truc qui me dérange, c'est la couture au niveau d'ici. Je trouve que ça fait un peu trop, mais sinon la couture ici sur le côté, j'aime trop. Vous pouvez soit la porter comme ça ou soit la porter d'une autre manière avec un pantalon, parce que oui, les combinaisons, vous pouvez les porter avec des pantalons en fait, c'est comme un body. Donc j'ai pris un pantalon, mais je me suis trompée au niveau de la taille. J'ai pris du L au lieu de prendre du M. Parce qu'il taille archi grand ce pantalon là, mais je vais quand même vous le montrer. Le pire, c'est que je pensais que j'avais pris du M, mais en fait non, j'ai pris du L. Je suis trop bête, je suis dégoûtée. Bref, du coup j'ai pris un pantalon cargo, vous le verrez ici. La combinaison des deux, j'aime trop. Et en plus de ça, j'ai pris des bottes pour aller avec le pantalon. Et des bottes comme ça, la même couleur que le pantalon. Et en fait je compte accorder ça avec un sac de la même couleur ou un sac beige, peu importe. Franchement les filles, j'aime trop la tenue. J'aime trop la tenue que j'ai faite. C'est vraiment une tenue big. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je mets une note de 10 pour tout. Mis à part que le pantalon, bah, il soit vraiment, vraiment, vraiment grand. Mais sinon, je mets une note de 10. Vraiment, j'aime trop. J'ai fait une tenue full khaki. Mais pas que, parce qu'après je vais vous montrer une veste que j'ai prise pour aller avec cet ensemble-là. Je sais pas si ça va coller. Mais j'ai pris du coup un body en taille S. Les filles, il est super beau. J'ai pas trop de haut basique kaki, donc voilà, j'aime bien. Après, c'est un haut simple, hein, y a rien de ouf. La matière, elle est hyper agréable. C'est très élastique. Puis j'ai pris un pantalon cargo en M et j'ai pris la gamme tall. En fait, ce pantalon-là, je l'avais en taille normale, sauf qu'il était sauté. Et j'avais pris du L. Les filles, c'était une catastrophe quand je l'ai mis. Je l'ai mis une fois pour sortir dehors. Catastrophe. Il faisait que tomber. Les filles, je passais mon temps à remonter mon pantalon. Il était beaucoup trop grand. Du coup, là, je me suis dit, je vais prendre du M. Après, les filles, il faut que je maigrisse parce que
au niveau des cuisses en fait il est serré, mais sinon j'ai pris, du coup je l'ai pris dans la gamme tall et j'ai bien fait parce que de toute façon avec l'autre c'était pas possible, il était un peu sauté dès que je le remontais, donc là c'est parfait. Du coup j'ai décidé d'accorder cette tenue avec cette veste verte que j'ai pris en taille S. La veste elle est comme ça, elle est incroyable, la veste 10, mais un 10 fort, je la trouve super jolie, mais vraiment très 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 jolie. Franchement pour la tenue complète je trouve que ça fait trop de vert, ça fait trop de vert. Différent, j'aurais pas porté ça comme ça. Du coup pour la tenue là je mets une note de 6 hein. Je suis désolée mais... Là les filles j'ai repris la même robe mais en marron, vous savez c'est la même que la grise. En fait de base je vous explique, il y avait une autre robe, c'était un marron mais c'était pas ce marron là, un marron un peu je sais pas, plus froid, un marron pas comme ça. Et du coup je voulais prendre celle-ci sauf qu'elle était en rupture de stock. Ils ont peut-être remis quelques tailles mais j'étais dégoûtée, du coup j'ai pris celle-ci. La robe les filles très basique, je vous ai déjà parlé de la grise, c'est la même chose, elle est très belle, ça fait très classe, ça bouge pas, mais j'ai décidé de porter ça avec ma veste. Ici j'ai pris une veste, quand je vous dis elle est magnifique, elle est vraiment magnifique, je vous montre ça tout de suite, on va pas faire durer le suspense. Vous voyez le marron, c'est un marron kaki bizarre. Vous voyez comment il est, la robe elle était pareille, c'est pour ça que je voulais ça. Mais bon, la veste, les filles, je la trouve trop belle, je suis trop contente, elle est vraiment 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 trop jolie, elle taille parfaitement, je crois que j'ai pris une taille M. C'est une veste en cuir oversize, mais je l'aime vraiment trop, genre c'était l'article que j'avais le plus hâte de recevoir. Je l'aime, trop belle, en plus elle est douce. Donc non franchement les filles j'aime trop, c'est un 10, que ça soit pour la robe que ça soit pour la veste, j'aime vraiment trop. Et le fait d'assembler les deux, je pense qu'avec une paire marron 10. Du coup les filles pour terminer j'ai pris un haut magnifique, vraiment très magnifique, c'est les matières maillot de bain, c'est un haut rose. Franchement les filles j'aime trop cette couleur, le rose comme ça façon vieux rose un peu beige. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment trop joli. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je le prends. Obligé, je le prends. Il est trop beau. Et je trouve que ça met en valeur le teint. Bref, je le trouve magnifique. Clairement, c'est un 10. J'aime trop. En plus, bien colle mon teint et tout. My type. C'est pas un haut. Après, c'est un body. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris un jogging. Donc, c'est un jogging matelassé. Vous avez un petit détail au niveau de la taille. Ça fait très joli. Les filles, je regrette pas mon combo. Je trouve ça hyper beau. Avec une petite paire blanche. Ça passe crème en fait, ça passe vraiment crème, je valide. Voilà les filles, j'ai terminé de vous montrer ma sélection. Dites-moi ce que vous en avez pensé, quel style vous préférez. Est-ce que vous aimez aussi, vous aussi, le style classique sur moi? Moi franchement j'ai validé, hein. Il n'y a rien que j'ai pas aimé de ma commande. Juste les trucs au niveau détail, ça m'a un peu saoulé. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas les filles que j'ai un code promo qui se trouve dans la barre d'infos. Tous les liens aussi seront dans la barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Besos.